You look so good tonight, baby. This is so true. You look so good tonight, baby. I can't get enough of your beautiful face. I just wanna hold you in a warm embrace. Has anybody told you? Did you step out of a poster? With the way you're walking, ain't nobody can control ya. Oozing with so much power, hate to see you and they cower. How you look so good, like you just stepped out of the shower. So much grace and finesse, oh you know that you're blessed. Do you, girl, no stress, I ain't taking nothing less. Headed higher than the clouds, haters having doubts. Just a moment in a minute, I'll show you what I'm about. No need to rush me. Mirror, mirror, hanging on my wall. Can you tell them who's really the dopest one of all? It's me. It's me. I'm in love, ooh, I'm in love. And anytime they ask me who the person that I love, it's me. I just say, it's me. Loving myself. Loving, loving, loving myself. Giving them good, giving them fresh. All day, baby. You know it's true, you're such a vibe. All day, baby. Best believe the hype, I ain't gotta lie. You kill it every time, don't even have to try. Some people call it pride, I just say I'm living life. Put my shades on, looking like A's and Y. So much grace and finesse, who you know that you're blessed. Do you, girl, no stress, self-love comes first. Headed higher than the clouds, haters having doubts. Just a moment in a minute, I'll show you what I'm about. Mirror, mirror, hanging on my wall. Can you tell them who's really the dopest one of all? It's me. It's me. I'm in love, ooh, I'm in love. And anytime they ask me who the person that I love, it's me. I just say, it's me. Mirror, mirror, hanging on my wall. Can you tell them who's really the dopest one of all? It's me. Oh, it's me, yeah. I'm in love, ooh, I'm in love. And anytime they ask me who the person that I love, it's me. Oh, 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 oh. Dun-dun-dun-dun. Hey baby, I just tell him it's me. This is so true. You look so good tonight, baby. I can't get enough of your beautiful face. I just wanna hold you in a warm embrace. Has anybody told you? Did you step out of a poster? With the way you're walking, ain't nobody can control ya. Oozing with so much power, hate to see you and they cower. How you look so good, like you just stepped out of the shower. So much grace and finesse, oh you know that you're blessed, do you, girl?
Et bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Ce soir, on se donne rendez-vous pour une nouvelle session, une nouvelle live. Un nouveau live sur Dragon Ball Z. On reprend parce que je vous rappelle effectivement qu'on était. On avait commencé sur les deux arcs précédents qui étaient Cell et Freezer. Mais avant de lancer du coup Dragon Ball Z, j'aimerais faire un petit clin d'œil du coup à un poteau, à Pixgrinder, qui est développeur en fait. Oh, ils sont là, Marina! Ben voilà, Pixgrinder qui est ici présent. Donc bienvenue à vous les loups. Tu es encore en catégorie inscription. Ah ben c'est bizarre, j'ai changé du coup. Nouvelle catégorie, rétro, nouveau statut. J'ai changé pourtant. Tu es encore en catégorie inscription, mais sûr, j'ai modifié en fait. Je viens de modifier la catégorie et du coup je suis en Panic Factory. En rétro gaming, j'ai mis. Parce que du coup, il n'y avait pas Panic Factory, donc je ne savais pas quoi mettre. Comment vous allez les loups? Donc ce soir, on teste le jeu de Pixgrinder Panic Factory. Alors, je peux vous dire déjà, Marina et Pix, puisque vous êtes déjà présents, que j'ai allumé le jeu quasiment 10 minutes avant. Et je me suis fait défoncer. Alors je sais pas du tout, je peux pas vous promettre que d'arriver au premier boss. Mais c'est franchement ça va être très 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 chaud. Ça va être vraiment très très chaud, donc il va falloir me pardonner. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à des jeux de plateforme à proprement dit, donc voilà, on va tester du coup le jeu de Pixgrinder. J'en vois déjà, d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser point d'exclamation Panic Factory. J'ai quand même un petit lien, vous pouvez du coup le retrouver sur itch.io avec le lien suivant, donc qui est sur le chat. Le jeu est gratuit, bien entendu. Si vous faites une donation, c'est encore mieux, hein, n'est-ce pas, Pix? Allez, ça marche, c'est normal, ça fait tout le temps ça au début avec ce jeu, d'accord, ok. Allez, c'est parti. Bon, on va lancer le jeu du coup, on va voir ce que ça va donner. J'avoue que j'ai un peu la pression. Allez, c'est parti, je lance le jeu. Un seul conseil, vois le jeu comme un puzzle avant tout. Allez, c'est parti. Poum, 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 poum. Attends, excusez-moi, hop, on va laisser en. Voilà, c'est bon, comme ça. C'est bon, vous voyez les loups? Ah, déjà, moi qui n'ai pas l'habitude de jouer avec la manette, enfin, avant aussi à l'époque, mais pas sur la manette Xbox. Donc, d'ailleurs, sur Dragon Ball, je joue aussi avec la manette Xbox. Allez, c'est parti, c'est tout bon, ok. C'est chaud. Ça, c'est du conseil en or. Oui, vois avant tout le jeu comme un puzzle. Ouais, bref, on va essayer. Allez, c'est parti. Nouveau Yoran. C'est parti. Go! Hey, Dr. Peepos. Docteur Now you can stop me, little freaking vegan shit. You're a murderer and shit upon a child. Hey man, you're not cool at all. Set us free, you bloody dog. Not good at all, man. Free them now. Libérez-les I got maintenant. Something set up for you. Donc là, si je comprends bien, c'est Jarod, hein, qui a fait les voix. Les voix de Jarod, exactement. Yeah. Salut Coquille. Oh putain, la pression de ouf. C'est Jarod. Hein. Ah ouais, j'ai reconnu la. Enfin, j'avais déjà vu le live chez Marina, mais j'avais loupé le début. Et j'avais pas eu les voix du coup. Despite all of your rage, you're just a rat in a cage. You can escape from my Tu factory peux pas and be the master échapper of the world. de l'entreprise, quoi, de la. Ah, donc là, je récupère un flingue. Super. Il n'y a rien à récupérer ici. Ah ouais, j'ai pas de balles. Cet accent. Alors voilà, c'est là où j'ai passé 10 minutes juste avant de lancer le stream. Et je me suis fait casser le huc. Ça a été rapide. Allez, on peut le faire, on peut le faire. Ok. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, il est chaud le jeu.
Attends, je vais prendre le risque. Hein. Alors, je sais pas si sa vie se régénère ou pas, je crois pas. Hein. Allez, prends-toi ça la gueule. Ok, ça c'est fait. Prends ton temps, ok. Allez. Alors lui, je sais pas comment le démonter. Non, ça marche pas comme ça. Ah, j'ai plus de balles. Ah, ça l'a pas cramé, fuck. Ah, j'ai peut-être pas assez de balles du coup. J'ai que 2 balles. Ah merde. Je sais pas si ça va le faire. Je sais pas du tout me positionner là. Si je me mets là, c'est trop loin peut-être. C'est ok avec 2 balles. Mais non, fonce. Salut Choc D, comment ça va vous plaît? Je rappelle que le jeu est du développeur Pixkinder. Vous avez le développeur qui est ici, Pixkinder. Si vous voulez lui poser la question, c'est son jeu à lui. Donc franchement, joli chapeau, franchement Pix, pour le jeu. Déjà, je trouve qu'il est très beau. Et puis le son, la musique, elle est énorme. Et franchement, elle est très, je sais pas, envoûtante, quoi. Elle te met vraiment dans le truc, tu sais. Yo, Winter, comment ça, poulette? Allez, je mets le lien, du coup, regardez, hop. Vous pouvez utiliser point d'exclamation Panic Factory. Le jeu est gratuit, une petite donation est toujours la bienvenue. N'hésitez pas à le télécharger, le jeu est assez difficile, moi je le rappelle. Mais bon, à mon avis, il y a des personnes qui sont bien meilleures que moi sur les jeux de plateforme. Donc, allez, 2 balles, c'est possible. Yes! Ah, donc je peux continuer ou je peux revenir du coup? Ok, donc j'ai pas de bonus. Parce que certainement parce que je suis mort peut-être. Allez, c'est parti, on continue. Je suis passé. What? Oh, oh putain, mais j'ai même pas le temps de réagir quoi. Attends, j'ai même pas vu me cacher. Attends, j'étais derrière la poubelle pourtant. La poubelle était là, j'étais comme ça, ouais, vas-y. Par contre, là, j'ai pas compris où est-ce que je devais aller, quoi. Attends que je réfléchisse, que j'analyse un peu. Putain, là, ça va être chaud. Là, ça va être très chaud. Je pense qu'il faut que je démonte le petit bonhomme rouge en premier, en fait. Très rapidement, pour que je puisse monter sur le bureau. Une fois que je suis sur le bureau, je peux jouer avec le bureau pour monter et descendre. Pendant qu'il y a Mister T en bas, croisé avec Hulk. Qui se balade. Est-ce que c'est ça? Et surtout leur désarroi, Marina. Surtout leur désarroi. Allez, c'est parti. Je suis chaud. Oh, j'ai plus de balles. Faut choper les balles vite fait, hein. Faut choper les balles vite. Alors je pense que si je saute côté gauche, je ne vais pas choper par l'acier. Yes! Yoko Asayan! Bienvenue à toi! Allez balancer pour l'exclamation Panic Factory ou pour télécharger, c'est le jeu de Pixgrinder. Si vous avez des questions sur le développeur, il est juste là, Pixgrinder. Le jeu est en téléchargement sur Itch.io. Vous pouvez faire une donation. Ça peut être sympa. Si vous avez les moyens, bien entendu. Oh, wow. What? Mais what the fuck? Mais what the fuck?
Ah oui, d'accord, regarde. Alors attendez, faut que j'envoie là. Ok, là je suis bon. J'ai pas compris parce que j'ai tiré sur la bonbonne de gaz et j'ai explosé en fait. La mort est venue d'en haut. Je vais l'attaquer par derrière, Mister Tyr. Il va rien sentir. Allez, plus qu'un coup. En tout cas, franchement, c'est du pixel art, d'accord. Oh merde, j'ai plus mal. Sachant qu'il y a une scie au plafond, il y a des balles qui tirent d'en haut, il y a une chauve-souris, et il y a Mister T qui se balade avec un flingue, un shotgun. J'ai envie de te dire un what the fuck. Et t'as le Gotti de Capability qui est enfermé dans une cage. What the fuck. Il en a quitté le niveau. Alors là par contre je suis bloqué là, je sais pas quoi faire. Ah oui, d'accord. Il y a moyen. Je vais attendre que Mister T aille du côté gauche. Je vais passer derrière lui, je vais aller chercher la balle. Je vais passer la bonbonne, je vais lui mettre une balle et je serai safe. C'est parti. J'avais oublié qu'il y avait les balles, putain. Attends, faut que je m'arrête dessus. Ok. Oh non. J'ai loupé mon tir, fuck. Je vais mourir là. Alors, est-ce que les caisses permettent de recharger à fond le pistolet? Ou permettent d'avoir encore plus de balles en fait? Si par exemple il me reste 2, est-ce que ça en donne 4, je vais en avoir 6? Ou est-ce que j'en aurai 4? Non, je n'ai pas les balles, non. Allez, Mister T. Ok, allez. Il faut que je sois synchro, là. Il faut que je me concentre. Ça tire. Si j'avais pas loupé la balle, il serait déjà mort. Allez, hop. Ok. Là, je suis good. Je vais mettre une balle. Allez, concentration. Faut pas que j'oublie le balle d'en haut, en fait. J'ai du mal avec le balle d'en haut. Ok. Ok, là j'ai plus de balle. La scie elle est en haut. Ok, cool. Maintenant je vais attendre qu'on passe. Que la 6 soit... Allez, vas-y, Francky. Ouais, je me débrouille bien, ouais. De derrière les doigts. Oh, mais ça l'a pas détruit. Allez, je peux pas détruire la chauve-souris, là, si. Putain, faut que je chauffe la chauve-souris, là. Merde! Oh putain, je suis mort là, j'ai plus de balles. Oh ok, d'accord, j'aurais dû l'avoir comme ça en fait. Merde, j'ai plus de balles, je suis mort. Je suis obligé de recommencer là du coup. Faut me le détruire les poteaux. 7,52, mais la vache, c'est un record de ouf! Et qui c'est qui a fait ça quoi, c'est incroyable! Coquille, attend combien du coup? Hein. Ah, j'ai obligé de recommencer du coup. Hein. Non! J'ai envie de recommencer aussi. Ah, c'est pas bien.
Ok. Ok, ok, là j'ai pas perdu, j'ai perdu une balle. Ok. Et je peux le faire, je peux le faire. Faut juste que je prenne mon temps. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est fait, alors... Est-ce que si je saute, je vais me prendre la... Je vais faire sauter ça m'énerve. Allez, je peux le faire, je peux le faire. Allez, il n'y a plus qu'à sauter. Allez, plus qu'un coup. Yeah! Putain, c'est chaud. Au pire, bonne année tout le monde. Merci pour les GG loin. Et je pense que je suis loin du boss. Hein. Mais on approche. Ah ouais, d'accord, il faut que j'aille. Ah ouais, t'arrives dans la salle, tu fais... Eh, salut. Alors attends, faut que j'analyse. Là, il y a un gros robot. Alors lui, à mon avis, il va falloir 150 ans pour le démonter. Hein. Si c'est pas plus. Hein. Et là-haut, il y a un sort de gnome. Alors, est-ce que si je reste assis, il va me toucher, hein. Est-ce que si je reste debout sur la commode, je passe safe, hein. Allez, on tente. Par contre, je comprends pas pourquoi je meurs là, en fait. Trop de GG dans les emotes. Yo, Moutafoukaz, bonne année, Moutafoukaz. Bienvenue à vous, les loups. Allez, je remets un petit peu de... Une petite pub pour Pix. Et le jeu Penny Factory, alors franchement, il est pas facile, le jeu. Il est en téléchargement sur Itch.io. Vous pouvez le télécharger gratuitement, mais vous pouvez faire une donation. C'est toujours bien pour les développeurs indés, de jeux indés, donc n'hésitez pas, les loups. Allez, il faut que j'arrive. Par contre, je comprends pas pourquoi je meurs. Ah ouais, comment je fais pour monter là-haut, en fait? Comment je fais pour monter, en fait? Attends, je comprends pas pourquoi je meurs, en fait. Ah, c'est un missile. Ah, d'accord, double balle, double impact. Ok, ça va être chaud, mais comment je peux faire? L'explosion de la bombe. Ah ouais, mais là, c'est une grosse pression, quand même. Parce qu'à peine je rentre... J'ai la scie, j'ai le petit bonhomme un peu qui se balade là-haut, et puis j'ai Mr. T, et puis j'ai Golgoth 13, quoi. Mais Golgoth 13, what the fuck, quoi, il lance des missiles, quoi. Mais what the fuck? Toi aussi, t'as eu du mal au niveau des vaches. Mais attends, mais les vaches, mais laisse tomber, comme ça on voit du lourd. C'est chaud de chez chaud, les loups. Bienvenue à vous les loups, on joue sur Panic Factory, le jeu de PeaceReader, le développeur qui est ici. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Le jeu est téléchargeable sur Itch.io, donc n'hésitez pas. Et je suis en train de me faire casser le huc par Golgoth 13 et ses doubles missiles. Mais voilà, on va y arriver, vous inquiétez pas. Enfin si, inquiétez-vous. Comment je peux faire pour passer? Il y a la scie. Est-ce que je peux rentrer un moment comme ça? D'accord. Tu l'as passé en live, c'est bien Kappa, c'est bien.
Bonne année à vous, Tafoukaz. Bonne année. Non balancé à tous. Ok, ça va, pas de problème, Magna. Merci d'être passé, vos poulettes. J'espère que je vais arriver à passer au moins ce level. Hein. Faut que j'arrive à bien analyser, mais là, c'est compliqué. Ah, et si je pouvais... Attends, si je pouvais aller sur l'étagère, ça serait cool. Donc, c'est la bombe. Ok, la bombe, elle me fait yesh. Donc, une fois qu'elle... Ok, une fois qu'elle est... Ah, ouais, là, c'est la scie. D'accord, ok. Donc, ok. En fait, il s'approche pas. Donc, il va falloir que je revienne, en fait. Ah. Alors, on fait moins de malheur. Ah ben non, ça va être easy, hein. Ça va être easy. Easy, mais pas si easy que ça. J'ai qu'une balle. I have one ball. One ball, one coronas. One corona. Allez, allez, go. One, two, one, two. One, two. Non, non, me tire pas dessus. Ah, j'ai peur. Ah, j'ai peur. Détecte pas là, ok. Ah putain, petit bâtard. Ouais, allez. Non. 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 Bon, en fait, j'ai la technique, donc normalement ça devrait passer. Concentration. J'avais fait le plus dur, ouais, exactement. Allez, je peux le faire. Ok, il faut que j'arrive à éviter les deux balles. Ok, cool. Oh non! J'ai claqué une balle pour rien. Non, pareil! Je suis là où je suis là en faire, je suis désolé. Ok, là, faut que je me calme. Ok, ça c'est bon. Oh putain, le bâtard. Oh merde, je l'ai pas chopé. Ah ouais, mais c'est clair. Alors je sais pas si c'est parce que j'utilise ça en fait. Je sais pas si je devrais pas utiliser en fait. En fait j'utilise le joystick. Je me demande si ça peut pas faire le... à cause de ça en fait. Peut-être que j'aurais plus utilisé le... la croix directionnelle, non? Ah ouais, d'accord, ok. Je pense que peut-être que c'est mieux. Tu n'as pas besoin de le coller. Ah, d'accord. J'avais l'impression qu'il y avait une courte portée de, du pistolet en fait. Tout s'explique. Ok. 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 Oh putain, la deuxième, j'arrive pas à le passer. Ok, donc là je peux tirer en fait. Je peux tirer de là les loups, c'est ça? Est-ce que je peux juste tirer de là en fait? J'ai pas envie d'user de balle en fait. Ah, attention. J'y vais! Non! Ok, là je suis trop près en fait.
Ok, je peux tirer là en fait. En fait, on peut tirer de loin en fait. Tiens, je fais une paroi. On va le choper Barracuda là. On le chope. Allez, viens Barracuda, viens Mister T, viens. Viens, c'est un homme. J'ai pas peur de toi. Je vais te voir. Et par contre, le gnome en haut, je sais pas comment le choper en fait, j'ai que 2 balles. Y a pas un truc pour. Est-ce que je peux l'avoir comme ça en fait? Peut-être. Ouais, peut-être. Je vais quand même regarder si je peux pas monter sur un buzzer là. Oh, c'est chaud. Je sais pas si je vais arriver à aller jusqu'au boss. Hein. J'ai encore une petite demi-heure hein, pour arriver jusqu'au boss. Hein. C'est le temps que je me suis donné. Yo, Pioui, jeu de Sega 91. Coucou Pioui, comment ça va, poulette? Bienvenue à toi. Je rappelle que le jeu est du coup téléchargeable sur Itch.io, c'est le jeu de Pixkinder qui est ici. Et vous pouvez le télécharger, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions à Pix. C'est un mec super sympa. Et... c'est pas vrai. Ok. Ok, j'analyse. J'ai 0 balles. Ok. Ok, il y a Goldgot 13. Oh, mais il y a des poulets! Il y a des poulets! C'est eux qui sont là, les poulets! C'est vidi, ok. Ok. Ouais, c'est que sur PC, ouais. Alors, on va taper le gnome en bas, je pense. Il va falloir faire ça bien quoi. Donc il y a un simple tir. Je vais compter. C'est 5 secondes à peu près, j'ai 5 secondes en fait. 5 secondes pour tirer toutes mes balles. Non, c'est pas bien ça. Il faut attendre que le mec il se retourne. Je vais chercher ça. Ok, il faut vite que j'en bombe par contre. Ok, ça c'est bon. Waouh! Oh la vache! Le problème c'est que j'aurais pas assez de balles pour tuer Mister T. Alors est-ce que je peux aller sur la petite caisse là? Ah, on peut pas aller sur la caisse, merde. Et merde. Exactement. Pixgrinder qui est ici, le développeur du jeu Panic Factory. Et franchement, moi j'adore la musique. La musique, elle me hype trop, quoi. Allez, je peux le faire. Ok, là j'ai les balles. Ok, qui je suis en premier là? La chauve-souris? Elle me fait un peu yèche. Le bonhomme rouge? Il me fait yèche aussi. Hein. Il me fait tous yèche. J'avoue que la chauve-souris ça serait pas mal en fait. Comme ça je pourrais sauter. Au moins je peux sauter. Hein. Allez, je peux le faire. Non! C'est quoi ce tir de merde?
Oh bah là j'ai plus de balles. J'ai oublié de recommencer. Ok, je peux pas l'avoir de là, ok, ça c'est bon. Ok, ça c'est fait. Donc je peux pas tuer la chauve-souris, hein. Pas tout de suite. Hein. Il faut que je sois sur le rebord d'en face pour le tuer, je pense. Ouh, une balle, ça c'est bon. Ouah, non. Ouah, je suis direct, hein. Ah, je suis franco. En fait, c'est Mister T qui me... C'est Mister T qui échoue. Hein. Yes. Ok, ça c'est fait. Allez, Mister T maintenant. Mister T, tu vas prendre cher, mais... Tu t'imagines même pas, quoi. Ok, là c'est pas la bonne. Ah, c'est la bonne. Non, putain. Ah, mais j'oublie toujours les trucs au plafond. Ok, allez. Mais comment le mec il a fini en 7 minutes, en moins de 8 minutes? Comment c'est possible? Yo, petit! Comment ça va? Je passe juste bonsoir quand même et souhaiter le courage à Kira qui en a besoin. Merci Poto, ça va être chaud patate les loups. Je crois qu'il est pas sur Xbox, ok. Je montre le menu du prochain jeu que je fais en collab. Waouh. Et je diffuserai du pixel art tous les jeudis soirs, mais c'est bon ça. Alors Akira, on est vénère. Pourquoi tu dis ça? Je dois être à 90% de tout pixel art à faire dessus. J'attends maintenant que le collègue continue la programmation, du coup j'ai commencé mon prochain jeu aujourd'hui même. Waouh! Et est-ce qu'on peut avoir une idée du type de jeu que ce sera le prochain jeu Pix? Ok, ça c'est fait. Allez, on se fait Mister Team. Je peux le faire, je peux le faire. Ok, il va en falloir beaucoup plus que ça. Il va falloir que j'aille chercher. Ah mais comment je vais faire pour récupérer la valise au fond? Il va me démonter. Du huc. Allez, allez, on peut le faire. Oh ah putain, merde, on pouvait pas sauter en fait. Il faut que je saute avant. Il faut que j'aille chercher les munes. Je pense que Mister T, il faut que je défonce en premier. Je sais pas. Ouais, ça c'est fait. Pour le prochain jeu perso, je ne peux pas trop en dire car je suis en phase de test qui va durer une semaine ou deux. Dès que ce sera validé, je dirai le genre. Tout peut changer du jour au lendemain. Ce que je peux dire, c'est que les deux prochains jeux seront très différents de Manufactory. Type de jeu, graphisme aussi, musique. Mais tu restes quand même dans le pixel art. J'ai le speedrunner qui est aussi dev à halluciner que j'enchaîne aussi vite. C'est clair. T'as pas le temps de respirer que tu te lances dans un nouveau jeu, quoi. Et ça même un pixel art, d'accord. Allez, je peux le faire. En fait, j'aimerais bien tuer la chauve-souris, en fait. C'est la chauve-souris qui m'emmerde. Si je pouvais tuer la chauve-souris et le truc rouge, je serais l'homme le plus heureux. Celui-là il est vraiment difficile. Allez, on va tuer le rouge, hein. Je pense que c'est le bon.
Ok, maintenant il faut que je tire 3 balles et après que je vais chercher la valise au milieu. Sachant que le mec en rouge il va me tirer une balle. Putain, ça va être tendu du strange. Je m'en sors super pas mal. Même pas mal. Si je pouvais tuer lui, le tuer, ce serait cool. Faut que j'analyse la... Donc la scie, faut qu'elle soit au fond. Voilà. Allez, tire. Franchement, respect à ceux qui l'ont terminé le jeu. Ah non, trop précipité. Ah, il faut que ça serve à quelque chose en fait. Ok. Alors sur le chat, qui a fini le jeu? Sur le chat, qui a fini le jeu? Tous ceux qui ont fini le jeu, qui l'a terminé? Optimax l'a terminé en live, la vache! Mais il a joué combien de temps? En une heure, ça va être difficile, je pense. Yo, Jarod! Comment ça va aller? Ah, c'est chaud, hein. Je commence à pas jouer de PC. Merci, petit oui. Fais attention parce que, après, si le jeu marche bien, il va être payant. Oh, t'as fini le jeu, Winter, joli, hein, GG. Et Optimac, du coup. Okay. En fait, il faut être patient, je pense. Mais bon, speedrunner sur un jeu comme ça, c'est chaud, quand même. Ok, j'ai plus qu'une balle. Après, je vais rechercher le butin. Ok, voilà. Maintenant, il faut que j'aille chercher la valise au milieu. Putain. J'ai peur. Mes cartes. Putain, si je finis celui-là, franchement. Si j'arrive à faire le niveau là. Je sais pas où je vais attendre pour avoir la scie en fait. C'est bon, il est mort. Ok. Là j'ai des balles. Là je vais tuer le gros sac. Alors je sais pas si je peux tuer le gros sac ou la chauve-souris en premier. Ah, je suis dans les caisses, on voit plus. Ah ouais. N'empêche que d'avoir mis le personnage derrière les caisses, j'ai envie de te dire, c'est assez vicieux, parce qu'on sait pas du tout où est-ce qu'on est. C'est pas bien, ça pique, ça. Coquinou. Allez, j'ai 4 balles. Allez. Faut que je monte là-dessus. Je sais pas si... Ah là, je sais pas comment ça se déroulait en fait. Ah, j'ai une technique peut-être.
Voilà. On va faire ça en fait. Mais Pix, pourquoi tu as mis ces putains de caisses à cet endroit? Mais pourquoi? En fait, je voulais direct là. Direct. Hop. Voilà, hop, ça c'est fait. Parce que j'avais jamais le temps d'aller dessus, de comprendre. Ah, sur les réseaux sociaux, vous parlez du coup, hein. T'as pas Twitter, d'accord. Alors Twitter, c'est un peu à double tranchant, hein. Ça peut être aussi le pire réseau social qui est, comme ça peut être le réseau social où je trouve qu'il y a le plus, tu peux avoir le plus de visibilité, quoi. Surtout avec les hashtags et tout. Mais bon, là, c'est... Après, je trouve que dans le monde gaming, je trouve que c'est plutôt cool, quand même. C'est plutôt cool. C'est pas comme dans le monde du sport, de la politique ou autre. Où là, franchement, Twitter, c'est vraiment... c'est un cancer. C'est une autre thématique, c'est vraiment un cancer. Allez, je vais. Allez, la chauve-souris. Va-t'en, allez. Ok, ça c'est fait. Barracuda, on va les trouver. Ok, je vais mettre sa troisième balle. Ah ouais, là ça va être chaud. Ok, là ça va être chaud. Ok, ça a bien résumé Twitter, faut éviter de sortir de la sphère gaming, exactement. Si tu sors de là, tu arrives dans une zone rouge. Sur Twitter. Je trouve que c'est vraiment le réseau social qui représente le plus la haine de ce monde. C'est Twitter. Mais en gaming, c'est plus ça. Franchement, c'est très très bien. Ah, j'ai trop peur, là, j'ai trop peur. Je vous casse pas que j'ai peur. Il faut que j'arrive à prendre la caisse qui est en haut, en fait. Non. Alors, attendez, les loups. Il me reste quasiment... Quelle heure il est? Ah, il me reste à peu près 10 000. Il faut que je passe ça. Il faut que je passe. Déjà, j'ai pas récupéré déjà. Allez, hop, une jumelle de balle. Jumelle de balle. Allez, c'est parti. C'est vrai que quand je me rends compte qu'il y a des personnes qui l'ont filé en moins de 10 minutes, hein, je me dis franchement, les gens en chapeau, quoi. Franchement, chapeau. Trop précipité. Salut Saint-Roch, la vedette est arrivée. Exactement, regardez ça. Saint-Roch, j'ai fait du coup une récompense de chaîne. Et en gros, je sais plus comment essayer d'ailleurs. Et la personne en fait sera marquée ici pendant une semaine. Donc sur tous les lives de la semaine, Saint-Roch sera représenté ici. Il sera à côté de moi. C'est la grande star, le weak star. C'est Saint-Roch. Allez, je me concentre. En fait, c'est un jeu de concentration, ça. C'est pour ça que j'ai du mal. Exactement, bon tamis avec Magic Factory, exactement. Est-ce que tu l'as fini, toi, Saint-Roch? Oh, mais oh là là, je suis trop. Je vais aller trop vite. En fait, je vais aller trop vite.
suis pas un speedrunner. Ok. Alors moi j'ai une question pour Pix. Est-ce qu'il y a qu'une seule façon, on va dire, de réussir chaque level? Est-ce qu'il faut absolument tuer d'abord un personnage, ensuite tuer un deuxième spécifique, et ensuite le troisième dans un ordre chronologique en fait? Ou est-ce qu'on peut faire des variantes en fait? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pensé pour faire pour avoir des alternatives en fait d'action? Bonne question, j'avais prévu un ordre à la base, puis certains comme Cookie Link m'ont prouvé le contraire. D'accord, ok. Donc on peut faire d'autres. Ok, donc j'ai plus de balles. Okay. Donc il faut déjà chercher le sac de balles. Ah, j'avais une autre question aussi. Hein. Si je sauvegarde là, et que j'éteins le jeu, et que je reviens plus tard, est-ce que je peux continuer sur cette partie, ou bien est-ce que je recommence à zéro? Et je pense aussi que tu peux faire une part, moi j'ai fait un ordre que je donnerai quand tu vas passer. Ah ouais la vache. Moi c'est la scie là, elle me fait peur la scie. Beaucoup beaucoup peur. Pour cette pièce, je fais la chauve-souris, le glouton rouge, barracuda et le groupe à rouge à la fin. Mais la chauve-souris... Ah, mais comment tu fais pour la choper la chauve-souris? C'est ça que je comprends pas. Attends, je vais essayer, mais... Parce que c'était la question que je me posais, en fait. J'arrive pas à la voir. Fort. J'arrive pas à la voir, la chauve-souris, en fait. Ah, là! Ah, je peux la voir d'en bas! D'accord. Mais ouais! Mais ouais, putain! C'est une histoire de hauteur. J'arrivais pas à la voir en fait avant. Mais ça va me faciliter la vie, ça. Je vais être plus gêné par la chauve-souris là. Alors là, franchement, j'ai joué avec la mort, là. Allez, je peux le faire. Bon, désolé, DBZ aura un tout petit peu de retard.
Et Pix, est-ce que tu as fait exprès pour pas qu'on puisse tirer par exemple deux balles successivement très rapidement? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est le temps de la recharge ou est-ce que c'est par défaut? Peut-être, je sais pas. Oui, c'est fait exprès, sinon c'était trop simple, d'accord. Ah putain, mais c'est... la difficulté est travaillée, mais... Ok, allez. Tiens, prends ton barracuda. Dans ton... Ok. Putain de boule là-haut là. Ok. Ok. Donc lui il faut choper sur la plateforme. Il faut choper sur la plateforme, ok. Maintenant il n'y a plus la chauve-souris donc c'est plus facile. Ah ouais d'accord, il dégaine vite. Oh. Je sais pas si la scie retient les balles, donc je suis pas dingue que la scie passe. Ah bon, j'allais chercher les balles là par contre. Come on. Ah putain, par contre là je suis... Il faut que je passe. Tranquillement mais sûrement. Donc c'est toi qui as programmé le temps de recharge. Le but est de faire bien paniquer. Ok, ça marche. La prochaine pièce est simple, c'est celle avant le boss, sérieux? Bon les gars, les loups, je suis désolé pour DBZ, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. La dernière, c'est celle avant le boss, ok? Donc c'est tout est possible. Ah putain non, c'est pas possible, ah c'est pas possible. Oh là, j'ai fait le ninja là. Par contre, ah ouais d'accord. Donc vois-tu la chauve-souris parce que... J'ai 5 balles, je peux tuer la chauve-souris, c'est tout ce que je... Non. Oh là là là, elle est facile celle-là. Elle est facile. Mais what the fuck. Ok, dans ta gueule. GG, merci pour les GG, Lou, merci beaucoup, merci pour les GG. Mais j'ai quand même eu une heure pour la passer la pièce quand même. Bon, maintenant je peux la faire. La pièce est simple quand tu as compris le truc, d'accord. Ah, ok, d'accord, ok, go. Il veut pas qu'il me tire dessus en fait. Ok, voilà, faut que j'aille chercher la pièce. Et comment je fais pour aller chercher la pièce? Après, il est plutôt lent le rouge. Ok, je suis pas synchro là.
Allez. Bon, je sais pas si c'est la bonne solution, mais... Oh. What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est ça? Pas mal se faire chasser au début. Hein. Il y a un problème là. Oh, ils sont en train de... Oh, mais putain, ils sont en train de... Ah ouais, d'accord. Vegan, Panic Factory... J'avais pas compris. Ah, c'est un bug. En direct, un petit bug. Alors ce qui est bien, c'est que... Et c'est pas bien parce que ça me désavantage, mon poulet. Parce que là, je pourrais le faire, en fait, je suis bloqué. Je vais tenter un truc, hein, stupide. T'as fait bugger le rouge, ok. La chauve-souris, c'est dégueulasse comme technique. Je vais tuer le bonhomme rouge direct. Ok, d'accord. J'ai dit, je vais tuer le bonhomme rouge. Oh non. Oh non, non. Ok, je vais tuer le bonhomme rouge direct, en fait. C'est ça, la technique. Et je vais le faire exploser. Je vais le faire exploser. Comme ça me fait économiser une balle. Si j'arrive. Le bon moment. Bon timing. Oh, mais ça l'a pas tué. Oh, ça l'a pas tué. Je crois que ça l'a tué, moi, en fait. Ok, allez, je vais le tuer en premier. Je le mange. Ça a pas bugué avec moi. Merde. C'est un bug connu en même temps, ça se joue à rien au niveau timing. Allez, je le flingue. Ok, il est dead. J'ai une balle. Je vais tuer la chauve-souris maintenant. Je suis chaud patate. Ah oui, d'accord. Come on. Ok. Mais par contre, le bug n'empêche pas que je puisse terminer le niveau quand même. J'espère. Alors lui, par contre, je sais pas comment le tuer en fait. Mais quel con, j'avais oublié. Mais quel con. On va attendre. Patience. Allez, on va aller jusqu'au boss. Obligé. On va aller jusqu'au boss. Après, je sais pas si le boss est facile ou pas. Ah, il faut voir le boss, ouais. Il faut le voir le boss, il faut le démonter. Ok, ça c'est fait. La chauve-souris. Je vais te défoncer. J'ai tellement un coup de pression que je suis obligé de revenir au niveau. Allez, je peux le faire. Par contre, si je fais ça, ouais, ça va charger le tuyau. C'est pas caché par la lame. Du coup, vu comment je le tue en fait. Est-ce qu'il y a un truc, un perchoir quelque part hein? Non, il n'y a pas de perchoir. Est-ce que je... Ah, il faut que je monte sur la table pour le défoncer en fait. D'accord, ok. Ah, ça va être du timing de ouf. Ah ouais, mais c'est super chaud. Oh, mais c'est super chaud.
Ok. Bon, moi, ce que j'adore, c'est la musique est franchement elle est exceptionnelle. Franchement, là, t'as assuré grave de chez grave. J'adore. Ah, bien joué. Lui, comment je sais pas le tuer en fait. Il bouge beaucoup. Est-ce que je peux le tuer de là en fait? Ah ouais, on peut le tuer là en fait. Yes! Allez le boss! Allez le boss! Allez, ce soir on termine le jeu. On termine le jeu Panic Factory. Ce soir on est chaud, on est chaud, on est chaud. I know I didn't put Jarod. Vous avez la voix de Jarod Bones. Il est sur le chat, c'est sa voix. Je la reconnais, World War Z. Je suis fan du jeu de plateforme et du shooter, mais aussi des puzzles. T'as voulu combiner les trois, d'accord? Non, votre écran n'a pas bugué. C'est moi qui ai bugué. Alors, elles sont où les balles? Ah, les balles, elles sont sur le cocotier. Par contre, Pix, tu t'es pas enflammé là? C'est pas un boss, c'est un feu d'artifice. C'est un feu d'artifice le truc. D'accord, ok, direct. Oh là 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 là, joli. Ah, j'ai eu chaud là, j'ai eu chaud. Alors, il est où le boss? Non, c'est pas lui. Oh, j'ai pété la télé, fuck! Oh, le piège de la télé, quoi! Le piège de la télé! Non, mais il s'arrête plus, quoi! À la base, je voulais que le boss bouge toujours quand il envoie toutes les boulettes et je me suis dit que ça ferait trop rager. Léger. Le truc, ça fait l'artifice, quoi! C'est le D-Wally, quoi! Allez, viens que je te mette une cartouche. J'ai plus de balles. Qui dit plus de balles? Et donc je lui ai enlevé que deux. Ah putain, mais le truc il est en bas quoi. Ah oh, putain, ouais, d'accord. Okay. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là? Ah putain, je vais mourir. Ah. Je pensais qu'il y aurait peut-être pu avoir un bug en bas à droite de l'écran et que je puisse m'échapper indemne, mais je vois que le développeur a pensé à tout, faire mourir le joueur. Eh ben bravo. Come on, ninja, c'est de la bombe ce jeu. Mais tu croyais que ça allait me faire mourir ça? Ok, je vais le tuer. Franchement, je le bats. Le boss, il est facile. Mais pas maintenant. Allez, hop. On va le chercher direct. On va le chercher direct comme tout à l'heure. Voilà. On va le chercher direct. C'est la meilleure technique, c'est là. Voilà. Oh, j'ai 10 balles!
mais je suis chaud patate. En tout cas, le personnage du personnage là avec la casquette à l'envers, il est juste énorme, j'adore. En plus, le fait qu'il n'ait pas de visage, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que du coup, on peut s'identifier au personnage. Le deuxième, ah ouais. Ah ouais, mais j'ai que 6 balles là. Donc en fait, si tu loupes une balle, Pix, si je loupe une balle, est-ce que c'est impossible de le tuer si je loupe un tir? Oh fuck. Et si je loupe 2 tirs? Non, j'ai plus de balles. Y a plus de balles. Ah ben j'ai ma réponse. Tu as droit à 2 mauvais tirs? Ah bon? Merde, il est où le deuxième? Ah, la télé! La télé! Et re, Marina! Ah, je suis obligé de le refaire, là, je pense. Il faut que tu finisses avec la hache. Vas-y! Ok, donc, il faut que j'en fasse. Donc, il faut que je fasse... Ok, allez, c'est parti. Bah là ça l'a pas eu là, il y a un bug. Là je porte plainte là, parce que je l'avais touché. Je l'avais touché. Tout le monde en est témoin, j'avais touché à la tête et ça n'a pas envie d'émerger. Allez viens chercher le bonheur, viens. Viens si t'es un homme. Oh bah là. Ok, il va falloir que je fasse ça, tac. Merde. Ah j'ai eu là, j'ai eu. Ah d'accord. Par contre, Pix. En fait, il y a un petit souci, c'est que quand je tire une fois et que je l'ai, et que je tire une deuxième fois, en gros il perd pas de vie quoi. Alors est-ce que ça aussi c'est pour augmenter la difficulté? Parce que là c'est tendu là. Là je t'avoue que c'est tendu. Du coup il faut que je sois beaucoup plus patient on va dire. Ce qui va être difficile. L'endroit stratégique pour le taper en fait. Merde. En fait, on voit la jauge de vie du boss baisser tous les deux coups. Ah, tous les deux coups. D'accord. Ok. Ouais, j'ai plus de balles. Allez, Harakiri. Allez, il faut que j'arrive. Allez, donnez-moi l'énergie, les loulous. Non, ça donne pas d'énergie Winter. Oh putain, je crois que c'était Winter.
Allez, bonne chance, merci, c'est Rock. Merci. Exactement, j'ai marre de mourir. Bonne soirée, c'est Rock. Et n'oubliez pas, c'est Rock, c'est la Week Star. Allez, je vais le battre, le boss. Le boss, franchement. J'en fais mon 4 heures. Ah, il m'a chopé ? C'est quoi qui m'a chopé là ? J'ai pas trop compris encore. Hop ! Allez, allez, allez ! Ah, j'ai plus de balles. Ah merde, ah, c'est chaud. Ah ouais, la bonbonne. L'explosion de bouteilles de gaz. Par contre, les loups, j'ai du mal en fait. J'arrive pas à le choper. Quoi. J'arrive pas à lui enlever de l'énergie. Ah, peut-être que j'arrive pas à l'avoir tout le temps en fait. Putain! Oh ouais, le con. Donc il a détruit ça, c'est bien ça. Là, je vais détruire parce que ça me gêne. Ouais, j'ai mis une cartouche là. Non! Non! Oh, j'étais presque! Il faut bien. Attention au gage! Mettre mon message en avant. Attention au gage! Au gage! Ah, pas de juron! Pas de juron, d'accord, ça marche. Pas de juron pendant, pendant 10 minutes. Il est quelle heure? 22h51. J'ai kiffé jouer au clavier. Faut bien viser le bocal. Dommage! Ah ouais, j'étais pas loin. Non mais je pense que je pourrais y aller. Faut que je récupère déjà ça. Ah, trop pile. Ah merde. En fait il faut qu'il aille des excuses assez rapidement parce que ça me déconcentre sa bonbonne. Ah c'est bien ça, c'est très très bien ça. Ça je vais détruire, ça me gêne aussi. Allez on peut le faire, on peut le faire. Merde, j'ai perdu les balles pour lui en fait. Ah, là c'est ça, rien. J'ai le droit à deux pertes de balles, pas plus. Donc là j'en ai 5. Il faut que je mette 8 balles. Ouais, celle-là c'est. Putain, elle m'a fait perdre pour rien celle-là. Ça, la télé, faut pas que je la détruise en fait. Ça me fait pas une balle en fait. Ah fuck. Non. Non. Je suis trop gourmand, je suis trop croquant.
trop gourmand en fait. Ouais. Je suis vraiment trop gourmand. En fait, il faut que j'arrive à trouver le moyen de me caler. Ok. Faut pas que je sois gourmand, Ouais, j'arrête, faut pas que je sois gourmand. Faut que je garde mes balles là. Ok, ok. Non. Désolé, j'avais besoin d'extérioriser. Alors attendez, j'ai terminé en quoi? À peu près 1h20, 1h25, non? Merci pour les GG, Loulou. Merci pour les GG. Akira Fun a cheaté le jeu. Bravo, mais t'as quand même perdu le défi. Fuck. Tu t'es poussé une barbe de 3 jours comme ça, gage. Ça te va à 3 jours. Ah, d'accord, ça marche. 3 jours, hein. Donc ça partir du jour d'aujourd'hui, je me rase pas. Allez, c'est parti. C'est le gage de capability, comme j'ai perdu. Je peux pas me raser pendant 3 jours. J'ai de la chance. Merci pour les GG, Lou. Vous avez battu le gardien du boss. Voici le vrai boss. Quoi? Quoi? C'est ma femme qui va te ravir, ouais, c'est clair. Elle va m'envoyer un coup de pied. Il est pas fini le jeu. Ah, là, ça va être facile. Ah, je suis chaud, je suis tellement chaud. Hein. Ah ouais, mais le truc rouge il arrive sur moi en fait. D'accord, il faut choper le truc rouge en premier en fait, c'est parti. Ah ouais, là par contre il faut que je tire du bon côté. Oh la vache. Oh non, ça tire de l'autre côté. Attends, il me faut combien de balles pour le tuer du coup? Plus de balles. Ouah. Et voilà, dans ta gueule. Bon courage pour la petite poteau et bonne nuit à tous. Merci Optimax, ceci s'est passé. Quand tu shootes le premier boss de Pony Factory. Bonne nuit mon poulet. Oh putain. Oh, ce jeu il rend fou. Ah, ce jeu il rend vraiment fou, c'est clair. Quand tu vas rencontrer le deuxième boss, tu vas pleurer merde. Non mais c'est quoi ça? Non mais qu'est-ce qu'elle veut la chauve-souris? Attends, mais la chauve-souris, elle a un souci. Ok, ok, je peux tuer en fait le mec direct en fait. Ok, ça marche. Ok, là par contre il faut que je saute en fait. Ok, ça va, ça va aller très très vite. Il faut que je tire 2 balles et après. Et après je peux sauter. Attends, je la vois pas venir.
quoi ce plan? Mais c'est quoi ce plan? Ah, attendez. Ok, hop. Oh merde, 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 ça c'est le problème que j'ai en fait. J'ai peut-être tué la chauve-souris en premier, parce qu'elle m'a gavé. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de citernes. Mais il est loin le boss, prenez nous. Il n'a plus peur de rien au début, il était en mode prudent. Les... Ah ouais, j'y vais en guerrier là, je m'en fous. Je suis en mode marina là. Envoyez direct. Oh, j'ai failli le détruire. Attends, je suis sur une balle de trop en fait. Ah ouais, là il y a trop de monde là. Je sais pas si je fais le bon choix en fait de l'attaquer direct en fait. Ah ça j'ai un problème en fait. J'ai un problème, j'arrive. Je vais toujours tirer d'un côté et pas de l'autre en fait. En mode marina ouais. Et pourtant je pense qu'il est pas super difficile en fait. Oh non, j'avais tué, fuck. C'était la bonne technique. Je vais mettre là en fait. Non. Plus écarté. Là. Allez. Oh putain, je m'y tire. Oh n'importe quoi. Attends. Tout qui explose que... Allez, tu peux faire. Ok. La calme, là il faut que je me calme. Puis évidemment il faut trouver le truc, mais je me suis acharné sur une moto qui n'était pas la bonne. Tu... Le bonhomme vert, je lui tire que dans le dos tellement je suis un traître. C'est du... Exactement, la salle est très simple. Elle est vraiment très simple, je suis pas d'accord avec toi. Donc là, j'ai 6 balles. Donc déjà, je suis mort en fait, j'ai oublié un truc. Ok, merci Pioui, des gros bisous Pioui. Merci d'être passé, force et honneur, on croit en toi, bonne nuit poulette. Merci d'être passé, c'est super gentil à toi, merci. Non, c'est pas vrai, oh putain. J'ai un problème avec la manette directionnelle là. Ah, on peut pas passer dessus, d'accord, viens. Attends. Allez. Le timing est très serré, là, ça fait du mal. Non.
je joue avec la... Vous croyez que je vais y arriver les loups? Je suis pas sûr. Le truc, le mec. Ah, je suis pas sûr. Ok, je vais l'attaquer de là, quoi. Ah non, c'est dangereux ce que je fais. Ouais, c'est très dangereux, en fait. C'est pas possible. Comment c'est possible? Allez. Ah merde. Bon, non, il est super facile, quoi. C'est abusé que j'arrive pas. Ah ouais, c'est en fait. Aïe. J'assiste avec la manette multi-actionnelle. La chauve-souris, en fait, elle me gave. J'ai rien à voir. Ok, c'est ça. Ok. Oh putain, j'ai failli y aller comme con. Fuck! Putain, mais c'est quoi ça? Ah. Direct. Ah là j'ai foncé là, merci pour les GG, hein. Là j'ai speedé là. Là je suis en mode speedrunner. En fait j'ai pas de balles, il faut que j'aille chercher quand même au bout d'un moment. Attends, je vais chercher direct. Il faut que j'aille chercher direct. Ok, là il faut que je saute. Très bien. Ah! Non! Allez. Panique à bord. Ah, ça va, ouais? Ah, oh, putain, Mister T.
Attends, si je faisais un passage direct. Ah, on peut passer direct, la vache. Attends, je vais essayer. Non, on peut pas. Si j'arrive à tuer direct, ça serait... Non, on peut passer. Bon, on va faire la technique de tout à l'heure. Le bordel. Oh, c'est la folie, hein. En fait, il faut que je chope vite ça et que je revienne. Tant pis, hein. Je vais faire attention. Ah, par contre, ça m'a fait sauter là. Ah, ouais, ça me fait sauter en fait, ça. Quoi que tu veux. Mais franchement, il est très difficile. Non, je t'ai coincé. Franchement, je sais pas comment vous avez fait pour passer celui-là. Il est extrêmement difficile. Vache. Sauf quand... Oh non, j'avais la... Ah, j'ai la technique. Ok, j'ai la technique, c'est bon. Pense à monter sur les speakers, exactement, ouais. J'avais pas vu qu'on pouvait monter sur les speakers. We are quite annoying. No problem. I'm very upset now. You tested my patience way too much. The arachnopunky will destroy you. Moi, c'est le plus gros de par mon statut d'elfique, mais c'est le plus caché pour éviter les matins. Eh, c'est quoi, c'est le boss, ça? Ah, mais c'est le boss. C'est le boss. Ah ouais, c'est le boss. Mais là, il a pas une tête de boss. C'est pas un boss. Il va m'écraser là ou quoi? Ah ouais, d'accord. Ok. Ok, il faut jouer avec... délicatesse. Des voluptés. Bon, je suis fini derrière. Hein. Mais ça lui fait rien. Fuck. Je suis obligé de refaire. Ah ouais, d'accord. Vache. Yo, là tu vas pleurer, mais c'est clair, mais c'est pas le boss, hein. C'est le boss ou c'est pas le boss? Comment ça va, Evil? Le boss ayant acquis une plus grande liberté de mouvement. C'est pas le boss, hein? Non, c'est pas possible. Allez, je bats celui-là. Je vais essayer de battre celui-là. On va essayer de battre celui-là. On va chercher tout derrière. Ok, allez, bon, je vais chercher ça. Come on.
Enfin, faut que je l'ai chopé en fait. Oh. Ah, c'est plus facile, c'est plus difficile que Back 4 Blood. Ok, ok. Patience. J'ai 10 balles. Ah ouais, mais attends, mais c'est la folie, quoi. Mais comment vous avez fait pour passer des loups? J'ai tout de suite trouvé où me placer pour que tous les bonbons espèces ça me toucher. On peut aller là? Ah, on peut aller là. Merci, Jarod. Non. En fait, il change. Il tire pas de la même façon, quoi. Il a une petite attente. Ça rend le truc difficile, quoi. Très bien. Allez, c'est le jeu de Pix. C'est la folie, quoi. N'hésitez pas à aller télécharger le jeu de Panic Factory. Il est sur Itch.io, il est gratuit, mais une petite donation est la bienvenue. Pixelator qui... Oh, moi j'étais en train de discuter, putain. Il aurait pu attendre quand même que je puisse discuter, quoi. Il n'y a plus aucun respect, quoi. Là, ça je vais détruire déjà. Ah ouais, là par contre, faut que je fasse attention à ça. Oh non, mais là c'est abusé. C'est abusé. C'est abusé de grave. Voilà. Maintenant c'est entre toi et moi maintenant. Oh, il se rapproche trop. La vache. Comment je fais? J'arrive à redescendre en fait. Il faut que je fasse tir de 3 balles. Voilà, voilà, voilà. Ah oh ouais, mais là comment tu fais pour te placer? C'est chaud les loulous, hein. Je sais pas ce que c'est. Ça ne se fait pas ou ne se dit pas, mais je me marre devant mon écran. J'adore le bruit du bullet hell. Putain la vache, comme il envoie du lourd. Après attends, je vais voir si je peux le... J'ai essayé tout à l'heure de lui tirer par derrière. On va voir. Par derrière. Je vais essayer par derrière. Ah, j'ai même pas le temps de descendre. Ok, ça va, je vais détruire ça. Ouais.
ça c'est ma faute. Allez, come on, man. Ouais, dégage maintenant. Par contre, je sais pas du tout me placer en fait sur la deuxième. Il peut pas tirer derrière le boss. Ben, comme tu peux voir, si. Un conseil, Akira. Juste en bullet hell. Mais c'est chaud. Ouais, en bullet hell, c'est la folie, quoi. Attends, Jarod, je vais te demander conseil, je vais juste... Attends tout petit peu. Là, je vais juste me concentrer sur la... Là, je regarde où est-ce que je peux me placer quand il tire. Je vois pas où me placer, quoi. À part... Parce que là, il tire de partout, en fait. Ah, il faut l'attirer, peut-être. Si je me mets à ses pieds. À ses pieds, peut-être. À ses pieds, peut-être. Je vais essayer à ses pieds, on va voir. Il tire des balles à ses pieds. Mais là, tu peux pas le shooter en restant derrière. Le seul souci, c'est quand il tire de part. Eh ouais, exactement. Je vais rester à ses pieds pour voir. Non, c'est pas ses pieds. Ah, peut-être qu'on... Moi, je vois pas du tout, là. Parce que là, il balaye tout, quoi. Pas possible à ses pieds, pas assez d'angle, je pense. Ah, on peut pas lui sauter dessus, on peut pas lui sauter dessus déjà, ok. Utilise le jetpack et colle-toi au plafond. Si seulement il y en avait un. Là, ah oui, il faut qu'il soit éloigné. Et sinon, ce que je fais, c'est que je la mets dans un coin. Je la mets dans un coin en fait. Je la mets dans un coin un peu style comme ça, quoi. Je sais pas s'il me suit. Il me suit pas, le con. Ah, il y avait un angle. Vous l'avez vu, les loups? Mais c'est super chaud, hein. Il faut se mettre là, quoi. Là, vraiment là, quoi. La vache. Bah, je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est ça, les loups. Ah, putain. Là, je crois que ça va être difficile de passer celui-là. Il y a un angle vers la caisse à gauche où il te touche pas quand ça tire de partout. Ouais, mais le problème c'est qu'il va pas au tout en même endroit, quoi. Ah ouais, ça va trop vite. Hein. Ça va trop vite. Hein. Je dois te laisser, mon poteau. Je vais faire un petit coucou à un pote qui stream et je vais pas tarder à me coucher. Bon courage, à très vite, des bisous à tous. Allez, ben ça marche, Jarod. Merci d'être passé en tout cas. N'oublie pas de m'envoyer un MP le code.
Techniquement, on pourrait lui tirer par-dessus, par derrière. En revanche, le saut du player ne peut pas aller assez haut. Et ouais, c'est ça le problème. Attends, mais comment tu fais pour le défoncer, quoi? Et si je... Ah là, je vois pas du tout comment faire les loups. En fait, quand il est loin, ça va. Oh, il m'a mis la pression avec son bullet hell. Je sais pas du tout là. Je sais pas du tout où me placer. Quoi. Ah, là il s'est éloigné là. Ah, il faut peut-être l'amener dans un endroit. Dans l'idéal, il ne peut pas atteindre le bullet hell car au début tu as 1 minute pour l'avoiner et après le bullet hell arrive toutes les 30 secondes. Ah ouais, mais bon, pour l'avoiner. J'ai envie de dire ok, mais. J'ai envie de te dire. Ouais, c'est chaud. En fait, tant qu'il y a les 25 secondes au début de la pièce et 20 secondes par la suite, pour être encore plus précis. Putain, mais c'est... Ok, là je suis protégé, ok. À part... mais en bas, je vois pas d'angle. Je vois pas d'angle. Après t'es coincé, hein. La vache. Non mais les gars, franchement, et combien de temps vous avez mis? Combien de temps vous avez mis pour passer ce boss? Mais c'est un boss de malade. La productrice en carton. Ah mais c'est un truc de trop difficile, quoi. Ah, laisse tomber, quoi. J'essaie de le passer, mais là c'est chaud. Hein. Je vois pas du tout de possibilité, en fait. Je vois aucune possibilité. Hein. C'est grave. J'ai pété la télé. On peut pas sauter quelque part là. Ça c'est missile ou quoi? Celui-là a dû me mettre 10 minutes. Putain, mais je vois pas d'angle de tir. Je vois pas du tout d'angle de tir en fait. Ah putain. Jarod, envoie-moi l'astuce. Va falloir que je le teste en off, hein, les loups. Je pouvais pas le finir ce soir, je pense. Parce que là je vois vraiment pas du tout, c'est fou quand même. Je vois aucune possibilité, quoi. Il canarde trop proche. Ah, parce que du coup ça me bloque là-bas. Le problème c'est que... Et c'est là que ça se complique après. Et je peux me mettre là, mais... Et ok, pour moi, j'ai pas de souci avec les tips. Je lui dis où se caler pour le deuxième bullet hell. Bah déjà, je me suis calé, bah j'ai trouvé la possibilité déjà de me mettre. Mais c'est le timing. Je lui ai mis aucun... Comment ça s'appelle? Aucun dégât. Wow.
J'ai trouvé un endroit, mais je sais pas si c'était le bon, quoi. Est-ce que ça me gêne? Il faut que je chope 8 fois. 8 fois en fait. Mais c'est pas gagné. Ouais, mais t'as vu comme il faut se mettre au millimètre près, quoi. Ah, sinon tu clames ça. J'ai pas pu partir. Bon, de toute façon, vu qu'il est tard, ça va se terminer sur le Panic Factory, les joueurs. Hein. Tant pis pour DBZ, je suis désolé. Pas mal. Et en fait, il faut que j'arrive à le pousser dans un coin, en fait. Je sais pas comment faire. Ah. Putain, j'arrive pas à trouver un passage. Si je me mets sur la caisse, il me défonce. Si je me mets dans l'angle, il me défonce aussi. Il faut que j'aille à l'extrémité, quoi. Après, si la technique, c'est de l'avoir un petit peu, se décaler, revenir... Ah, c'est infernal. Mort 7 de sang. Allez, allez. 200, t'es gentil. J'ai dû mort au moins 400 fois, quoi. Ça va. C'est après que je comprends pas en fait. Oh non! En tout cas, je vais essayer de faire ça en fait. Je vais choper deux fois. Péter la télé. Deux fois, me repositionner. Ok, d'accord, c'était pas le bon chemin. Le jeu est sur PC, je pense. Oui, tiens, tu peux télécharger, il est gratuit. Et forcément, comme c'est sur Itch.io et qu'il est gratuit, si tu peux faire une petite donation, ça peut être sympa quand même. Par contre, il est super chaud, quoi. Killed by Arachnopunky. Putain la vache, il m'a destroy. Mais par contre les loups, il est possible de le battre ce boss? Come on, attends, je vous place là. Ah, on peut se mettre bien en retrait en fait. D'accord. Ok. Allez, on va prendre tout notre temps. Style. Ah, il m'a mis la pression avec la sassonnerie. J'ai pas de PC, hein, mais c'est le seul problème, lol, car il me tente bien pour rager. Non mais le jeu, mais laisse tomber comme il te rend fou, quoi.
Là, franchement, celui-là, il est super difficile. Il est vraiment très difficile. Et en plus, c'est pas le boss final, ça. Je pense pas, parce que c'est pas la tête du mec. Mais il est chaud de chez chaud. Il a, bah, franchement, il est super cool. Et la musique, elle est d'enfer. Par contre, ce boss, il est pas faisable, en fait. Alors, comment je peux me mettre? Ok. Voilà. Oh mais non, c'est pas là. La musique fait grosse impression chaque fois que je vois quelqu'un y jouer. Non mais c'est clair, la musique elle est vraiment fantastique. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait quand tu démarres le jeu, déjà tu l'allumes. T'as ce bon son avec des bonnes basses et tout. Et franchement je trouve ça super cool. Mais par contre la difficulté elle est vraiment, elle est tendue du stream. Et par contre, vous pouvez me dire si je peux mettre le mode facile. Et vas-y, je te pète à la télé, toi, tiens, bam. Ok, pantalon bleu. Pantalon bleu, ça passe. Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Le hitbox de ton perso n'est pas le perso complet. Exactement. Ah ouais, c'est pas vrai. Ah, c'est ça le tips. Ah ben, en fait, c'est ce que j'ai vu quand je me suis mis à côté de la scie. J'avais la moitié de la tête qui était sciée, mais j'étais pas mort. Donc la hitbox, d'accord. Ok, c'est ça. Donc en fait, je peux me placer, mais... Ah ouais d'accord, je peux me placer à des endroits chelous quoi. Comme là par exemple. Je peux me placer la style là comme ça quoi. Comme ça quoi. Enfin voilà quoi. Par rapport au tir. Hein. Au tir donc peut-être la hitbox c'est ma tête. Mais n'empêche que c'est quand même tendu. Hein. Lightbox, c'est les pieds. C'est les pieds, c'est pas possible. C'est les pieds, Lightbox. Sinon, c'est vraiment très difficile. Je suis content que vous kiffez bien la musique, car j'ai un peu galéré, car j'ai vraiment trois fois rien comme matos pour faire de la musique. Bah franchement, tu devrais faire des beatmakers, quoi. Mais par contre, elle est où, sa hitbox, quoi. C'est ça, le truc. Parce que j'ai l'impression de mourir tout le temps, quoi. Bah tu vois, là, par exemple... Je sais pas c'est quoi là. Et on est obligé de monter sur des putains de caisses. Ah ! Tu veux un autre endroit sale pour le deuxième bullet hell ? Un endroit safe ? Il va falloir que je découvre tout seul. Je vais peut-être le découvrir pas ce soir, mais je peux pas le découvrir tout seul, du coup, ok. Comme ça, quand je vais le découvrir, je vais faire... Mais non ! Mais pourtant, tu vois, là, j'analyse. Ah, peut-être qu'il y a un espace entre les deux tirs, là. Entre le... Il faut se mettre à quel endroit, du coup ? On va tester. Thank you.
En tout cas, le jeu est très addictif, hein, ça c'est sûr et certain, quoi. Parce que tu vois, là, je suis mort comme une merde. Et je relance le jeu, quoi. Et les bonbonnes de gaz, ça va quoi? Y'a pas un truc à faire avec? Elle te donne 100 points. Ouais, elle donne des points, quoi. Là, je dois avoir des milliards de points, quoi. Allez, allez! Putain, j'ai trop peur d'aller l'attaquer, du coup. Ok. Donc les balles, elles passent derrière moi, quoi. Bon, hein, franchement, c'était chaud quand même de trouver ça, hein, la vache. Ah, putain, je me suis mal placé. Hein. Ok, d'accord, maintenant je sais où me placer, la vache. Au moins ça, quoi. Tu l'as trouvé l'endroit safe, ok, ça marche. Oh là là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, c'est chaud quand même. C'est tendu du strange. Ouais, la difficulté est... Là, je vais mourir, là, je crois. Salut, je suis Akira. Mais putain, t'es trop nul. T'es trop nul comme mec, toi. T'as battu au moins 200 fois. T'es resté ici une heure, c'est incroyable. Je sais, je suis trop nul. Oh là là, c'est compliqué tout ça. Hein. Mais c'est pas grave, je t'aime de tout mon cœur. Oh, c'est très gentil ça. Oh putain. Et là, je tombe sur la scie, quoi. Et là, je tombe sur la scie. C'est clair, certains réussissent facilement. Je pense aussi à une habitude. Exactement, moi, j'ai pas l'habitude, genre. En fait, le fait que la hitbox soit complètement décalée du corps, pour moi, c'est pas pensable. C'est pas pensable du tout, quoi. Parce que du coup, les jeux que je joue, si on te tire à l'épaule, c'est l'épaule qui prend. Si on te tire dans la jambe, c'est la jambe qui prend. Et c'est vrai que j'ai... du coup, c'est quand... C'est grâce à Marina, du coup. Quand elle m'a dit que l'icebox c'était pas tout le corps, hein. Là je me suis dit, bah en fait je peux passer entre les balles, quoi, entre les trucs, donc merci. C'est un jeu à l'ancienne, exactement. Mais je vais vous défoncer, vous, bande de nage. Non. Donc après c'est le boss, en fait. Mais le boss il va me défoncer. Hein. Ok, vous énervez pas les loups. Viens ici, tête de Sinoc, là. Ah ouais, le timing est chaud, là. Ah ouais, d'accord, ok. Là, par contre, je sais pas où est-ce que je dois aller, là. Attends, enfin, si je fais ça. Oh, là, j'aurais pu prendre le coffre, là. Là, j'aurais pu prendre le coffre. Oh,
Oh, j'aurais pu prendre le coffre direct en fait. Waouh! C'est pas mal ça. Oh putain, j'oublie ces trucs à la con. Waouh! Ok, faut que je prenne direct. Waouh! Ninja! Ninja! Ninja Codes! Oh putain, je l'oublie lui, un con. Ok. Ok, il va falloir que je suive. Je vais mettre une balle dans le dos. À la Jarod. Wouah! Non! C'était ça la technique! Ah merde, faut que je fasse direct. Là, je suis bon là. Non! Non, j'ai que 3 balles. I got fucked. Oh non, c'est pas mal ça aussi. Oh, technique. Bah, en tout cas, le jeu, mais il est franchement fixe. Fixe, bravo, franchement, bravo. Le jeu est très addictif. Moi qui suis pas du tout dans ce type de jeu, que ce soit un peu néo-rétro ou pixel ou plateforme ou quoi que ce soit, je prends énormément de plaisir. Là vous me voyez rager, mais je suis revenu en enfance où j'étais à Super Mario Bros et j'arrivais pas à passer le niveau, le boss 3.3 quoi. Franchement chapeau, chapeau. J'envoie encore le petit lien. Ah ouais, franchement c'est énorme, un gros kiff. Et tu vois, je devais jouer à DBZ. Je suis encore sur le jeu, parce que j'ai envie de le finir. Ah putain! J'oublie des fois qu'il me manque. Allez, concentration. En fait, il faut être concentré pour jouer. Ça marche pas. Non, 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 putain! Allez, on peut le faire. On peut le faire. C'est le genre de jeu à play sur une bonne jeune d'arcade, exactement. Un truc où tu vas passer toute ta thune, quoi. Et tu vas pas t'en rendre compte, en fait. Allez! Oh, ok. Alors, lui, comment je vais me le faire, lui? Je vais me le faire de loin, lui. Je vais me le faire de loin. Ok, on y est. Le boss il est là, c'est le boss final. Dites-moi que c'est le boss final, les loulous. Dites-moi que c'est le boss final. Attends, je vais le chercher direct. Donc je vais chercher direct, il faut que je fasse un petit saut, allez. Yes! Ah putain, il y a les trucs juste au-dessus de la tête aussi, mais what the fuck, man! Ah ouais, d'accord, ok. Non, c'est abusé, il faut que je rentre. Allez! Ah! Je sais pas si la bonne technique. Ok. Ah, je fais la même chose du coup. Ah! Oh, petit bâtard! Tiens, dans ta gueule! Motherfuckers! Oh, qu'est-ce que je fais moi? Oh non! Oh le con! Le con, putain. Oh, c'était le plus facile, ça.
Oh, ça aussi, c'était plus facile. En fait, j'oublie toujours de... Je joue avec le joypad. J'oublie toujours. Faut pas que je joue avec le joypad, en fait. En fait, avec le... Les touches directionnelles, c'est plus facile. Voilà, tiens. Allez, viens ici, bébé. Viens ici, gros bébé. Allez, on prend tout notre temps. Petit bâtard, sors de ce corps. You defeat all my baby monsters. Alright. Le boss final. Putain, je suis désolé de vous tenir au début aussi tard, les loups. Hein. Je suis désolé. Hein. Parce que oh, il est presque minuit. Hein. Putain, franchement, merci, hein, les loups. Oh, Boubouk. Merci pour le raid, Boubouk. Comment ça va, mon poulet, hein? Bienvenue aux Raiders, les loulous. Ce soir, on joue un jeu indé. Ça tombe super bien, les Raiders. Bienvenue à vous. Ce soir, on joue un jeu indé. On a le développeur Peace Grinder. Je mets le lien. Le jeu est gratuit sur Itch.io. Vous pouvez faire une petite donation. Et c'est un jeu, un petit jeu indé. Plateforme shooter. Il est exceptionnel. Bienvenue à vous, en tout cas. Et merci, Boubouk. Comment ça va, mon poulet? Vous arrivez pile pour le boss final. Par contre, franchement, ça va être la galère de chez galère. Allez, ça va nickel, Boubouk. Petit jeu indépendant, le développeur c'est PixGrinder, il est ici présent si vous avez des questions à lui poser. J'étais parti sur DBZ ce soir, mais au final j'ai envie de finir le jeu ce soir en fait. C'est pas du tout un jeu que je joue d'habitude, vous allez voir les loups, il est très très difficile, c'est un jeu pour les rageux. Je remets encore le petit lien, regardez les loups, hop, voilà c'est parti. En tout cas bienvenue aux Raiders, bienvenue à vous les loups. Allez, c'est parti. Et toi, comment ça me plaît, hein? J'ai vu que tu jouais à 7 Days to Die à fond. Merci pour ton raid, Boubouk, c'est trop mignon. Allez, on retourne sur le boss final. Hein. J'ai pas encore vu à quoi il ressemblait, qu'est-ce qu'il faisait. Ok, d'accord, il est chaud. Ça a l'air d'être facile. Arrête, je joue extrêmement définitif et j'arrête pas et tout, j'arrête pas sur 7 Days, ouais, tu m'étonnes, j'ai vu ça quoi. Oh, merde, j'arrive pas à toucher quoi. Il m'a l'air d'être plus facile que le boss d'avant. Hein. J'ai ça, j'ai rien. J'ai rien. Il va du one shot. Et non, j'ai failli. Hein. Et j'ai failli, mais en fait. Il faut juste que je prenne la main. Ok, c'est bon. Ah putain, merde. J'étais trop près en fait. Ok, c'est bon. Ok. Allez, concentration les loups. On se le fait le boss final ce soir, on se le fait. Ah merde, on peut pas toucher les canons. On peut pas toucher les canons, merde, fuck. Beaucoup de mes viewers sont en leur qu'à leur si. D'accord, ok, ça marche. Le jeu m'en refabrique. Ouais, ça c'est bon. Il faut que je la mette là en fait.
Faut que j'amène loin en fait. Voilà. Ah putain merde. J'ai cru qu'il ait tiré en fait. C'est au deuxième tir qu'il fait. Il balance l'eau. Il balance la sauce. Attends. Ok. Ah ok, c'est bon. Oh, c'est chaud les loups. Rien à voir. Bonne nuit à Boubouk. Encore merci mon poteau, merci pour le raid. A bientôt mon loulou. Merci. Ah, c'est tendu, hein, c'est tendu. Et bonne nuit à toi mon poulain. Ah. Ah non, j'étais presque un chouïa. Ah là là, j'ai du mal à me placer. J'ai du mal à me placer dans les trucs. Oh, à la moule. Allez, allez, allez. Il commence à tirer les... Allez, allez, concentration. Ah, une fois que je me couche avec madame. Ah, oh, merde, j'étais en train de dire le chat. Ne jamais dire le chat quand tu joues à un jeu du développeur Pixkinder. Jamais. Même si ça parle de huc. L'argent. Par contre, il est costaud, hein. Il faut pas lui balle à lui. Oh la vache. Oh le coup de traître. Il a augmenté la cadence. Le premier son, le tin-tin-tin, il me fait vraiment, vraiment flipper. Et du coup, je perds tous mes moyens. Salut, c'est quoi ce truc sous ton nez, l'ami? Mon truc sous mon nez. Le seum. Comment ça passe, Kaz? Comment ça en fait? Je joue à un jeu indé à plateforme shooter. Les loups.
Il est de Pixgrinder, le développeur est ici. C'est un poteau. Ça, je sors Icarus avec Hugh, on se marre bien, ça marche. Ah, Icarus. Le GOTY 2021, les loups. En fait, la première sonnerie me met en alerte. Et du coup, j'ai tendance à flipper, alors que c'est le bout de la deuxième qui commence à tirer le bullet hell. Oh, il a pas voulu que je tire la balle, quoi. Ah, putain, j'ai que 9 balles, là. Oh, putain. Et il est super chaud, ce jeu, les loups. Il est addictif, hein. Peut me dire comment je dois lui mettre de balles, s'il vous plaît. Oh non, putain! J'ai pas choisi le bon endroit, fuck! Ah, il faut que je lui mette plein de balles en fait, dès le premier tour en fait. Il faut que je tape fort direct. Comme dans l'inscription. Ah, par contre, il faut que je fasse détruire les deux murs en fait. Sinon, je suis mort. Allez, vas-y, détruis. Viens ici, viens voir papa, viens. Ah merde. Oh putain. Oh, je vais mourir. C'est papa Akira. C'est pas 12 plutôt. C'est 12. Il voulait mettre 12. Bah il dit pas 12. 12, c'est mort. Ça, merci pour le raid mon poulet. Bienvenue Raiders. Je joue à DBZ. DBZ façon rétro. Je suis en train de battre, d'attaquer. Non putain. Il faut que je batte ce boss. Ah, c'est dommage que je puisse pas lui mettre une rafale en fait. Ah
quelque chose. Comment ça, mon poulet? Concentration, concentration. Maximale. Ah, je mets une balle directe. Ah, putain, il est arrivé direct. Attends. Arrête de me coller, bordel! Mais il faut lui mettre combien de balles, là? Ah, putain! Oh, putain! J'ai 6 balles! Allez, concentration! Maximale! Oh la vache. Oh la vache, j'ai pas choisi plus facile. Ah, j'ai le cœur qui bat à 100 l'heure. Putain de merde. Je pouvais pas partir, il m'a bloqué. Oh putain. Et je pouvais pas passer, il m'a bloqué. Sortir, il m'a flingué direct en fait, de là en fait. Est-ce qu'il se déplace avant que le bullet hell se termine? Ce qui est inacceptable. Voilà, comme ça, exactement. En fait, là, je peux pas, je suis bloqué. Je suis bloqué du coup. Ah ouais, je speedrun. Ah là, le boss, laisse tomber, je l'éclate. Ah ouais, je t'ai coincé aussi, pareil. Allez, allez, allez. Ah putain, j'ai mis une cartouche dans le vide. Ah putain. Ah, ça va durer. Je la mets dans un coin en fait. Oh putain, le bâtard. Oh, allez, allez, allez. Oh non. Trop gourmand. Ah là par contre je peux pas. Oh putain. Je sais pas si on va y arriver.
crois qu'il va l'avoir une fois là. Je sais pas si on peut les déplacer entre les boules en fait. Franchement, je dis encore, mais restez à ceux qui le terminent en moins de 10 minutes quoi. Oh non! Et je fais le mauvais choix, putain! Yo Dark! Ah, mais je m'en sors de merde. Bienvenue, Dark. Ah là là, je suis mort 35, 50 millions de fois, quoi. Bon, c'est un peu le but du jeu aussi. Hein. Pourtant, il est facile. C'est ça qui me tue. Il est plus facile que le précédent, je trouve. Allez, allez. Là c'est facile, je peux le passer, il faut que j'enlève la moitié d'énergie. Il faut que je sois patient, mais j'ai pas la patience. Oh putain, oublie ma peau là. Là il se déplace avant que ça se termine. Et c'est ça qui me tue. C'est qui le plus fort? C'est Papa Akira. Elle est loue. Elle est loue. Oh là là, merci pour les beats. Oh, la pub double Sagaro méritée. Oh la vache. Merci les loups, la musique love de Darkwing Wallet. C'est parti, je la lance de suite. Après, je lance la pub. Elle va être fantastique, cette pub. Attention. Attendez, je peux pas mourir là. Imagine, je meurs. Merci pour les beats, les loups. Merci Winter. Merci Marina. Merci les loups. La musique, elle est offerte par Darkwing Wallet. Oh là, j'ai le cœur qui bat à 100 l'heure. Je sais même plus où on me touche. Oh la vache, je vais me reposer un petit peu. A tout à l'heure. Au revoir. Pour toi, le dieu rétro gaming, je te dédie cette victoire. J'en ai chié ma race, putain. Mais si on regarde bien, il est minuit 13 et je suis dans les temps. Oh là là là, j'adore quand les plans se déroulent sans accroc. Ah, ce jeu, il est formidable. Il m'a mis dans tous mes états. Et je peux vous garantir une chose, c'est qu'il en valait vraiment la peine. Ce jeu, il a été développé par Pixinder. Et Pixinder, il est là. Il a vu, il a supporté toutes mes défaites. Dans la vie, la joie, comme dans la mort. Vous pouvez télécharger ce jeu sur Itch.io. Il est gratuit, mais ma foi. Regardez dans quel état ça m'a mis. Vous pouvez lâcher 5, 10 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros, le million.
Bref, vous m'avez compris, ce jeu est génial. J'ai kiffé ma race. Là, j'en veux qu'une seule chose, c'est de me jeter sur la scie à gauche. Non, je rigole. Non, je suis tellement heureux. J'y crois pas. Je suis arrivé à terminer ce jeu. Je tiens à remercier ma femme. Je tiens à remercier mes enfants. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont suivi ce soir, qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des vacheries, comme ce putain d'enfoiré à l'Okexos. Cette victoire, je la dédie à toute ma famille. Je la dédie à mon père, à ma mère, qui un jour se sont réunis. Ils ont fécondé un enfant qui est arrivé à finir un jeu de Pigrinder. Voilà ma foi, sur ces quelques mots, j'ai envie de vous dire, achetez ce jeu. Il est terrible. Il est génial. La BO est ultra funky. Oh putain. Oh putain, j'en peux plus. Merci pour la pub. Y a pas de quoi. Oh putain, j'en peux plus. Ce soir, c'est Saga pour tout le monde. Je vous l'offre. Allez, Dark, qui m'a offert la pub. Et non, c'est du coup, c'est Winter qui a offert la pub, si je dis pas de bêtises. La pub de l'eau de Sagaro. C'est parti, c'est maintenant. Je vais appuyer sur la manette et je vais m'éclater contre la scie. Je vais pleurer ma race. Mais juste avant, je vais quand même faire la pub pour la Sagaro. C'est parti, c'est maintenant. Et bonsoir, messieurs, dames. Ah, vous n'avez pas l'habitude de jouer à des jeux plateforme shooter comme moi. Vous transpirez du cul parce que vous mourrez à chaque scène. Vous êtes mort 8357 fois. Vous avez fini le jeu en 4h30 alors que le jeu peut se terminer en 7 minutes 52 secondes. Vous êtes comme moi, vraiment content et très heureux d'avoir terminé le jeu. Vous êtes en tout, vous avez énormément transpiré. Il faut se réhydrater, c'est très important. Je vous le répète sans arrêt. Mais attention, pas avec n'importe quelle eau. L'eau de Sagaro. L'eau de la victoire. L'eau de sainte victoire. Je vais en boire une grosse gorgée. J'ai envie de vous dire, je vais boire toute la bouteille. Elle est pour vous, elle est pour Pigrinder. Merci pour toi, merci pour ce jeu qui m'a franchement fait kiffer. Merci pour tout, poteau. Et c'est l'eau officielle des équipes de France de football. Cette eau a tout pour réussir. L'eau de Sagaro, c'est l'eau qu'il vous faut pour jouer à des jeux de Itch.io et de Pigrinder. Oh, j'en peux plus. On va quand même revenir sur le jeu. Parce que je l'ai pas fini en fait. Là, je pourrais mourir. Compteur de mort 8457.
Attendez, je vais me faire un selfie. Attendez, je vais me faire un selfie, je reviens. Et mettez-vous en place, hein, je vais faire un selfie. Immortaliser la victoire. J'ai souri pour le selfie. We make it good. The factory destroyed. The factory destroyed. Vive les vegans. Ouais. Motherfuckers. Thanks for playing this game. See you soon. It may be the end for you. Jarod, franchement, sort de ce corps. Merci pour les remerciements. Merci en tout cas pour ce moment Pix. Et moi, je trouve ça génial que tu vois, tu développes un jeu et tu arrives à mettre dans tous ces états les personnes qui y jouent. Je trouve ça extraordinaire. Donc encore merci énormément. Je répète une dernière fois. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, c'était super. La musique des crédits, elle est juste énorme. Hein. Remerciements à Optimax, à Elea, à Moutafoukaz, à Saint-Roch, à Capability Games, à Remix, à Mistronion, à Captain Kirk, Cocos54, à Akira Fun, à Geekette, à The Real Peppers, pas le boss. Retro DMT, Magna et Ryan, Zaikishi, Craftcard Gaming, UK Shariban, Lord Paddle, Bastien, Trash Crasher, Mars, Touch Studio, et Adipson Studio, et puis sans oublier Crapule et Itcho. Voilà le jeu créé par Pilgrinder. Écoute, c'était exceptionnel, je vous remercie à tous et à toutes. On n'aura pas joué à DBZ ce soir, mais on aura pris énormément de plaisir. Je vous fais énormément de bisous, de bisez moi. Et puis du coup on se retrouve vendredi soir prochain pour jouer de Last Stand Aftermatch, un jeu de zombies. Donc qui me tarde de en mode découverte, donc qui me tarde vendredi soir. Encore des gros bisous, merci pour tous les loups, c'était génial. Beaucoup d'émotions aussi, merci beaucoup Boto, merci Pix, c'était génial. Merci en tout cas de m'avoir suivi, je sais que ça vous fait coucher tard. Je vous fais de gros bisous. Bonne nuit à tous les loulous. Et franchement, je vous aime, je vous adore. Gros bisous, bye. Ciao les loulous, bye. Bonne nuit à vous. Calmez, Winter. Can't get enough of your beautiful face.
I just wanna hold you in a warm embrace. Has anybody told you? Did you step out of a poster? With the way you're walking, ain't nobody can control you. Did you step out of a poster? With the way you're walking, ain't nobody can control ya. Uzi with so much power, hate to see you and the cower. How you look so good, like you just stepped out of the shower. So much grace and finesse, well you know that you're blessed. Do you, girl, no stress, I ain't taking nothing less. Headed higher than the clouds, haters having doubts. So good tonight, baby. This is so true. You look so good.